C'est une autre émission de télévision aussi, qui était avec un garçon qui faisait du Smurf. Ah, Sidney. Sidney. H.I.P.H.O.P. Sidney. Ouais. Et en fait, je voulais la rencontrer, et donc on m'a présenté à elle. Alors on lui dit, voilà, Laurent Voulzy, c'est un French pop star et tout. Et il lui dit le titre de la chanson, The Night Without Kim Wilde. Et là, elle me regarde, il dit, que c'est que ce fou. Qu'est-ce que c'est que ce français? Et elle devient même rouge, presque intimidée et tout. Et moi, elle tombait du poster, je la regardais, j'étais émerveillé. Parce que il faut rappeler qu'à l'époque, vous étiez complètement obsédé par Kim Wilde. J'avais une cassette, il n'y avait que Kim Wilde dessus. Cassette vidéo. Ouais, ça fait j'avais une cassette. Ça fait un peu près d'entrer l'accusé quand même. Alors, Non, mais bon, je la trouvais bien, quoi. Oui, mais bon, quand même. C'est comme ça qu'on a fait la chanson, parce qu'un jour, j'ai montré la cassette à Alain. Ah, il me dit, je comprends. Il me dit, ah oui, je comprends pourquoi tu me parles souvent de cette chanteuse. D'accord. Et il me dit, fais donc une chanson. Ce serait bien que tu... Écoute, pour se libérer... Comme une thérapie. Fais une chanson qui s'appelle Les Nuits sans Kim Wilde, je joue au flipper. C'est la naissance de ce duo mythique. Voilà. Les Nuits sans Kim Wilde, 1985. Alain Souchon se souvient encore de votre obsession, Laurent Voulzy. Il nous a laissé pour vous un petit message. Aïe, écoutez. Aïe, aïe, aïe. Cher Laurent, il y a eu une période de ta vie où tu étais très amoureux de Kim Wilde. Elle était très jolie, très sexy, attirante et tout ça. Et je voulais savoir, est-ce que tu as toujours des nouvelles d'elle et qu'est-ce qu'elle devient? Donne-nous des nouvelles de Kim Wilde. Alors vous êtes Salut, mon pote. Vous êtes toujours en contact ou pas? Salut, mon pote. Ça fait déjà au moins peut-être plus d'un an que j'ai pas de nouvelles. On s'appelle... elle m'a appelé il y a quelques temps pour que j'aille chanter avec elle à la Cigale. Et j'ai dans un des derniers singles qu'elle a fait, je parle. Ah, comme elle a dit, Laurent, enlève tes lunettes. Alors elle m'a demandé de parler dans son... Vous l'avez dit quoi? C'est enlève quoi cette fois-ci? Comme il y va. Non, c'est drôle. Donc, on a des nouvelles. On se donne des nouvelles de temps en temps. Et elle poursuit sa carrière. Son dernier album a très bien fonctionné. Ouais, pas en France, mais un peu partout ailleurs en Europe. Ouais. Et elle sera de retour sur scène à Paris, à la Cigale, l'année prochaine. Peut-être que j'irai faire un tour sur scène avec elle.